Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne Athlète Éthique. Tu cherches à prendre du muscle, devenir plus fort, plus endurant, etc. Mais tout en restant sec, avoir une musculature tracée, des abdos visibles, t'es au bon endroit, je vais t'expliquer comment moi je m'y prends, comment je m'entraîne. Donc comme l'indique mon t-shirt, moi je pratique les calisthenics. Donc c'est une discipline qui se fait en poids de corps essentiellement ou quasi uniquement. On rajoute parfois du lest, ceinture lestée, gilet lesté, on peut mettre des poids sur le dos, etc. etc. Mais globalement, c'est des exercices qui se font en poids de corps, donc qui sont très fonctionnels, très ludiques, et avec lesquels on peut se mettre des objectifs super stylés. Des choses comme la full planche ou les front levers, des choses qui en jettent pas mal, tu vois. Et pour quelqu'un comme moi, et peut-être comme toi, qui n'est pas spécialement motivé à l'idée d'aller soulever des haltères, de s'asseoir sur un banc, s'allonger même sur un banc, ou s'asseoir à des machines pendant X répétitions et X sets, ben les calisthenics, c'est vraiment le truc qui va te faire kiffer et faire la différence au niveau de la motivation pour aller t'entraîner. Aujourd'hui, je vais filmer et t'expliquer en détail ma routine pectoraux, triceps, épaules et abdos, le tout en poids de corps. Et je vais tout détailler en voice-over pour que tu saches combien de répétitions, combien de sets, quels sont les temps de récupération, quels sont les placements des mains, les placements des pieds, des épaules, etc. etc. Je vais tout te dire, te donner toutes les cartes en main pour que tu puisses toi aussi te construire le corps que tu veux en poids de corps, en faisant du poids de corps uniquement, et que tu arrives enfin à trouver la motivation qui fait que tu te lèves et que tu vas bouger tes fesses et t'entraîner. Allez, c'est parti. Et on commence cet entraînement avec quelques étirements, notamment au niveau des pectoraux, puisqu'ils vont être bien utilisés aujourd'hui. Ça, tu l'as compris, c'est un push day forcément, donc on va utiliser les triceps, les pecs, les épaules, on va aussi utiliser les abdos. Bien s'échauffer les articulations, chaque articulation, donc genoux, coude, poignet, nuque, épaule, très très important si tu veux pas te retrouver avec des tendinites tous les 4 matins, crois-moi t'as pas envie de ça. Le premier circuit échauffement qu'on va répéter 2 fois, il y aura 30 secondes de jumping jack, histoire de délivrer un peu le rythme cardiaque, hein. Il faisait bien froid aujourd'hui, on est en plein mois de décembre. Donc voilà, comme je disais, bien s'échauffer les coudes, surtout pour moi. Deuxième exercice du circuit, des pompes tout simplement, donc voilà, position de planche, hein, on descend bien jusqu'en bas, on monte bien jusqu'en haut, bras tendu, on essaie de ne pas sortir les coudes à l'extérieur. Là j'en fais 15, ça permet aussi d'échauffer au niveau du groupe musculaire des exercices poussés. Et on termine ce circuit échauffement avec un suspendu à la barre pendant 20 secondes, pareil, ça permet de s'étirer un petit peu, de décontracter un petit peu le corps avant de faire l'entraînement. Et pour le fun, quelques petits front levers relevés, bon ça c'est un exercice un peu plus avancé. Et d'ailleurs en parlant de fun, je suis pas le seul à m'amuser aujourd'hui dans ce petit parc comme tu peux voir. Aujourd'hui on va travailler en superset, donc des enchaînements de 2 exercices à chaque fois. 30-45 secondes de repos entre chaque exercice, 1 minute 30, 2 minutes de repos entre chaque superset. Le premier, je vais mettre donc mon gilet lesté et on va faire des dips. Dips, le mouvement incontournable poussé des calisthenics et du poids de corps en général. On descend pas sur un angle de plus de 90 degrés avec tes bras, sinon on peut se blesser au niveau des épaules et même au niveau des pectoraux, se faire des élongations, des choses comme ça. Le corps bien droit, des pieds jusqu'à la tête. Bien prendre de grandes inspirations entre chaque exercice, c'est important, la respiration. Et pour le deuxième exercice, ça va être un L-sit statique pendant, pour moi en tout cas, 15 à 16 secondes. Donc pareil, bras tendus, jambes tendues, on compresse bien, on contracte bien au niveau des abdos pour garder les jambes en haut, on évite de se balancer et on reste comme ça. Excellent exercice pour parvenir à d'autres plus compliqués, plus complexes dans les calisthenics. Deuxième superset, les dips sur barre droite. Alors là j'avais pas de barre de traction donc je les ai fait sur cette barre là, avec les jambes pliées du coup. Bien faire attention à pas ressortir les coudes trop à l'extérieur et à descendre bien bas comme les dips normales. Et remonter tout en haut jusqu'à avoir les bras tendus. Là j'ai trouvé une barre un peu plus haute hein, pour avoir les jambes tendues. C'est comme tu préfères selon ce que tu as comme matériel à ta disposition. Le deuxième exercice du deuxième superset, ça va être des relevés de jambes. 10 répétitions. Alors là, encore une fois, jambes tendues, bras tendus. On fait bien attention à ne prendre aucun élan, à n'avoir aucun balancement pendant l'exécution des répétitions. C'est très important parce que là, ça permet vraiment de travailler les abdos. Si on se balance, si on prend de l'élan, si on a un balancement, ça enlève l'intensité de l'exercice au niveau des abdos. Et c'est le muscle qu'on veut travailler là, donc voilà. Comme tu peux voir ici, j'ai aucun balancement. C'est bien la contraction des abdos qui fait remonter ses jambes. Troisième superset, des pompes en piqué, main à peu près à largeur d'épaule, éventuellement un peu plus. On fléchit, on garde les jambes bien tendues, celles-ci sont surélevées, hein, comme tu peux voir.
sur la pointe des pieds, avoir un bon point d'appui au niveau des pieds, évidemment pour pas se casser la gueule pendant l'exercice et pas se fracasser le crâne par terre. Voilà. Ne pas oublier de boire, hein. Si tu manques d'eau pendant tes entraînements, tu peux avoir une diminution assez drastique des performances, donc c'est important de boire. Donc voilà, sous un autre angle, essaye de descendre le plus verticalement possible et de ne pas, encore une fois, faire trop ressortir tes coudes vers l'extérieur. Sinon, ça peut mener à des blessures et à des tendinites par ailleurs, au niveau des coudes. Excellent exercice pour les épaules, hein. C'est vraiment un exercice d'isolation des épaules ici qui permet d'évoluer vers des mouvements comme le handstand ou les handstand push-up, donc les pompes en équilibre sur les mains. Troisième exercice d'abdos pour ce troisième superset, du coup, ça va être des relevés de genoux élevés. Donc, encore une fois, aucun balancement, on élimine tout balancement, on se concentre vraiment sur l'exécution de l'exercice, maîtrise. Une bonne maîtrise, et donc comme tu peux voir, les genoux vont quasiment jusqu'à toucher mon front. Encore une fois, un très très bon exercice de compression qui permet justement d'évoluer à la fois vers des mouvements comme le L-sit, mais aussi tout ce qui va être des front levers, des back levers, etc. Vraiment de travailler cette endurance, cette puissance du tronc, de la sangle abdominale. Dernier superset, hein, des pompes en diamant. Lesté pour moi 10 répétitions, donc voilà, exercice d'isolation des triceps très connu et très efficace que j'aime beaucoup. Encore une fois, on essaye d'avoir bien le corps tout droit des chevilles jusqu'au crâne, on sort pas trop les coudes vers l'extérieur, on descend tout en bas, on remonte jusqu'à avoir les bras entièrement tendus. Excellent exercice pour travailler les triceps et pour maîtriser son poids de corps. Et enfin, on termine cet entraînement avec des mountain climbers pendant 30 secondes, exercice qui va travailler tes abdos, qui va travailler ta cardio, qui va travailler ton endurance. Et qui permet encore une fois de travailler l'air de rien avec les bras tendus. Les bras tendus, c'est quelque chose de très important dans la calisthenics, surtout si tu veux évoluer en fait vers des mouvements comme la planche, le front lever, le back lever, etc., etc. Donc comme je disais, entre chaque exercice, entre 30 et 45 secondes de repos, entre chaque superset, on peut prendre entre 1 minute 30 et 2 minutes. Plus on va lester les exercices et plus on peut prendre du temps de repos entre chaque exercice. Et voilà les résultats, le corps que tu peux obtenir avec la bonne nutrition, la bonne alimentation, le bon apport calorique, hein, bien sûr, et bien évidemment le bon type d'entraînement, les exercices. Voilà pour cette session push day du jour, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, une petite suggestion pour une future vidéo, un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à partager non plus cette vidéo pour tes amis qui veulent se mettre au sport, qui veulent faire du poids de corps ou pas d'ailleurs. Ça peut toujours leur apporter des choses intéressantes. Toi également, si tu as des questions, n'hésite pas non plus à mettre ça dans les commentaires. Et je te dis à très 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 vite pour des vidéos à la fois sur le fitness, à la fois sur l'éthique, mais aussi pour te montrer ce que je me fais après mes entraînements pour bien récupérer, prendre cette masse musculaire, tout en regardant cette définition qui moi me plaît et qui peut-être te plaît également. Et donc là, je vais me faire un petit smoothie pole pour la recette. Si tu veux voir ce que je me mets dedans, reste sur ma chaîne, abonne-toi et tu verras très rapidement, je vais faire des vidéos aussi pour te montrer ce que je mange après mes entraînements. Ciao.